vie antérieure le mardi 2 juin 2020 avec Raphaël. D'accord. Alors, en sachant Raphaël, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu mes vidéos des vies antérieures ou voilà. On revient toujours à l'essentiel par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est aussi un petit peu aussi pour comprendre aussi des situations actuelles. D'accord. En sachant que c'est exactement le but. Voilà. C'est exactement le but pour moi, donc c'est très bien. Voilà. En sachant aussi que les informations que les guides vous donnent aussi. C'est aussi pour comprendre aussi peut-être, je veux dire, des fois des manques. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord ? Des manques, on va voir pourquoi. D'accord ? D'accord. Et voilà. Alors, Raphaël, on me parle du 15e siècle pour vous. D'accord ? 15e siècle. Alors, on me montre une vie d'homme, une vie où, comment dire, on parle du Moyen-Âge et on parle de la France. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous êtes quelqu'un, je veux dire, alors, ce qu'on me montre par rapport à vos parents, une famille unie, voilà, et un père qui travaille tout ce qui est lié à la peau. Vous voyez, alors je sais pas comment ça s'appelle, quelqu'un qui travaille les peaux. On me montre ça, quelqu'un qui est tanneur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Comme un tanneur. Un tanneur, hein. Bon, de toute façon, quand je cherche les mots, après, il me donne le mot, de toute façon. C'est un tanneur, hein. Et quelqu'un qui a quand même réussi dans sa... Comment dire alors, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit devenu riche, mais quand même une famille qui a les moyens de manger au 15e siècle. C'était pas forcément évident pour tout le monde, d'accord. Mais quelqu'un qui avait les moyens... De nourrir sa famille, hein, d'accord, hein, voilà. Des commerçants, en fait. En voilà. Fait, si on devait resituer dans le contexte, c'est un petit peu des bourgeois, peut-être. Ou, voilà, bourgeois, alors, bourgeois... Pas la noblesse, mais peut-être voilà, des grands, enfin, des commerçants, quoi. Exactement, quelqu'un qui a voilà, les moyens pour faire survenir sa... Alors, pas forcément quelqu'un qui est hautement placé au niveau, je veux dire, de nom ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui côtoie quand même des personnes importantes par rapport à son métier qu'il fait. D'accord ? Voilà. Alors, vous naissez dans cette famille, un père quand même assez, assez dur, je veux dire, travailleur, un homme très, très, très travailleur, un homme qui... pas forcément dur avec vous, mais dur dans le commerce, dur dans les choses, parce que on ne gagne pas d'argent comme ça, et puis on est aussi, on peut être volé, pillé, donc très méfiant, quelqu'un de très très méfiant. Alors, au moment que vous naissez dans cette famille, alors les études, ça vous intéresse pas du tout, c'est pas du tout votre truc, d'accord, vous êtes un enfant plutôt qui aimait ça. Libre. Libre, qui aime s'amuser et tout ça, mais bon, il faut bien apprendre quelque chose dans sa vie, il faut bien devenir quelqu'un. Et c'est votre père qui va vous prendre sous son aile et qui va vous apprendre son métier. D'accord ? Qui va vous apprendre son métier. Vous êtes très très bon, vous allez vous découvrir, un enfant, vous allez découvrir, alors on parle de 14-15 ans, hein, avant c'est l'amusement, on fait un peu ce qu'on veut, on ne manque de rien, mais bon, on n'est pas non plus riche, mais vous avez quand même, vous êtes quand même visionnaire, à un moment donné, dire bon, on s'amuse, mais à un moment donné, il faut quand même se prendre en charge. Et c'est votre, c'est votre père qui va vous prendre en charge et qui va vous obliger à travailler. À faire comme lui, et vous allez vous rendre compte de la valeur du travail et tout ça, et par les connaissances de votre père par rapport au travail qu'il fait. Alors, il n'aura pas de boutique, hein, on me montre que votre père n'aura jamais les moyens d'avoir une boutique et tout ça, mais vous allez vous dire, je ne veux pas faire partie des médiocres, je veux être comme tous les autres, ça veut dire la classe plus haute. D'accord ? Okay. Vous êtes quelqu'un qui est tellement très attiré par l'argent, très attiré partout, mais un côté petit voyou là-dedans, vous voyez, gagner de l'argent, pas forcément en travaillant beaucoup, mais en faisant travailler les autres, c'est comme ça que vous visionnez les choses, pour pouvoir faire aussi ce que vous avez envie, d'accord ? Voilà, les plaisirs de la vie, c'est très important pour vous. Exact.
Alors, il y a un côté encore aujourd'hui de ça, de vous, d'accord, Raphaël, ce côté en vous qui est là, et puis vous dites, bon non, il faut que Raphaël soit plus sérieux, mais ça vient aussi de ces vies-là aussi, une partie de vous qui est revenue de ça, d'accord. Alors, votre père s'appelle Pierre et votre mère s'appelle Marie, hein, on donne quand même des prénoms, après on verra un petit peu. Et on vous appelle le petit cœur, le joli cœur, parce que vous êtes assez séduisant, voilà, vous aimez séduire les jeunes femmes, les jeunes filles. Le côté physique est très important pour vous, et puis voilà. Et puis dans vos connaissances, vous allez quand même amener à rencontrer des gens comme d'une classe beaucoup plus haute. Et vous voyez bien à la cour, hein, ce qu'on me montre, vous voyez bien une vie aussi, pourquoi pas à la cour. D'accord. Alors, on voit quand même que votre père travaille les fourrures et c'est quelqu'un qui est très reconnu par rapport à tout son travail, bien qu'il y a d'autres tanneurs, mais il est reconnu par son travail de, comment dire, au niveau des peaux, au niveau des vêtements que porte le roi. Hein, on montre quand même ce côté-là. Et là-dedans, dans un adolescent, dans la tête d'un adolescent... Ben, j'en veux plus, je ne veux pas faire comme mon père toute ma vie, c'est pas possible. D'accord, hein? Alors, vous vous intéressez au commerce, c'est une grande période où vous allez vous intéresser au commerce, ça veut dire à tout ce qui est commerce. Et c'est drôle parce qu'on me montre que l'autre vie encore, ça sera encore le commerce. On va voir un petit peu, on ne va pas sauter les étapes. Mais le commerce... Voilà. Vous êtes encore attiré par le commerce, Raphaël? Oui, d'accord. Voilà. Le temps passe, là, quand je vous présente ma maman, j'ai fait une discussion technique un petit peu, et finalement, de là, c'est parti un petit peu. D'accord, mais il y a quand même le commerce qui est très important, l'envie de faire des choses, import, export, export, import, vous voyez, on me montre ça. Alors, on me montre on me dit quand même l'argent c'est important, les marchandises c'est important, le commerce c'est important. Alors on me dit que vous allez vous intéresser par tout ce qui vient du soleil levant, de l'Est, hein, d'accord, c'est la Chine, l'Inde, tous ces côtés-là, et qu'il y aura des choses commerciales qui se feront. Voilà, on va commencer tranquillement, et puis on va vous donner les moyens aussi, hein, parce que vous êtes beau parleur. Vous savez ce que vous voulez, et puis vous plaisez aussi, et puis vous avez aussi cette fureur, hein, cette volonté d'aller explorer, de ramener des choses et tout ça. Vous dégagez tellement quelque chose de puissant, ben qu'on vous donne la chance aussi de pouvoir, par la petite porte, rentrer aussi dans ce milieu. Alors vous allez quand même côtoyer des gens, des femmes, on parle de femmes, qui ont quand même une influence au niveau au placé, hein. Il y aura quand même beaucoup de séduction et tout ça, et puis elles vous feront rentrer par une porte, et voilà. En fait, vous arrivez par tous les moyens, n'importe quel moyen pour y arriver. D'accord. D'accord. Alors, ouais, mais c'est... Alors, vous vous appelez Jacques, hein. On me montre que vous vous appelez Jacques. D'accord. Jacques. Dans la deuxième ? Non, dans la première. Hein. On est toujours dans la première vie. Attention. D'accord. Hein. D'accord, on est au 15e siècle. Vous vous appelez Jacques. Ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire, ouais. Ça me fait sourire. Excusez-moi, je cherchais un briquet juste. Ça me fait sourire parce que je pense justement à une personne que j'ai connue qui s'appelait Jacques et que j'ai beaucoup apprécié, hein, d'ailleurs. Donc, qui justement était quand même une personne importante puisque... comment dire, à la base, c'était une connaissance de mon père, et puis c'est un monsieur, en fait, il était consultant, psychanalyste. D'accord. Il pratiquait la neuropsychogestuelle, la neuropsycholinguistique. D'accord. Et notamment, l'écriture automatique, si ça vous parle. Oui, le côté automatique, d'accord. Alors, vous appelez Jacques à cette période-là, d'accord, voilà. Donc, les Jacques, ils ont quand même une importance pour vous, hein, tout ce qui est... voilà. Alors... vous êtes quand même quelqu'un... alors, on va quand même vous donner des clés, Jacques, à cette période-là, d'accord. On va vous donner des clés et on va vous... Vous allez, comment dire...
rentrer dans un, je dirais comme un bureau, hein, on me montre comme ça, on va vous donner une place. Vous allez pouvoir gérer la ville, ce qu'on me montre. Vous êtes tellement ambitieux que même si vous n'avez pas de diplôme, je veux dire que vous n'êtes pas... vous avez beaucoup appris à votre père vous a appris énormément de choses et il vous a donné cette envie, cette fureur aussi, parce qu'il est comme ça. Très renfermé, mais quelqu'un d'ouvert dans tout ce qui était ne jamais communiquer son intérieur... la première cause de son... Montez toujours la deuxième ou troisième volonté que vous avez, mais jamais montrer le premier fond que vous avez envie. Ne jamais dévoiler, c'était ça. Hein, parle de deuxième envie que tu as ou de la troisième, mais pas dévoiler forcément ta première envie. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie quand même autour de vous. Vous allez quand même amener énormément de jalousie, beaucoup de gens qui vous regardent d'un mauvais œil, je veux dire... par rapport, il n'est pas forcément de notre lieu. Vous voyez, il y a quand même... Alors, on va vous donner, c'est drôle, comme on me montre les clés d'une ville hein, où vous allez devoir gérer. Et puis, on va vous mettre quand même, à un moment donné, la confiance commence à rentrer. Et puis, on me montre ce qui vous dérange, c'est d'être quand même, qu'il y ait ces Anglais qui soient, qui occupent certains lieux. Et vous allez... négocier, on me dit, avec des gens étrangers, la monnaie, le flous, d'accord hein à l'époque, c'est l'or, hein voilà. Et puis aussi, d'en mettre aussi, je fais des bénéfices aussi pour la couronne, alors pourquoi pas aussi m'en mettre un peu dans les poches. Hein, on me demande beaucoup de travail, mais on me paye pas en conséquence tout ce que je fais. Exactement. Et puis vous rêvez grand, d'accord hein? Vous rêvez grand aussi. Et du coup, alors, il y a quand même de l'argent, et c'est drôle parce qu'on me montre l'époque du... de Charles VII, hein? On est en train de me montrer ça, Charles VII. Hein, vous allez Charles VII, et on me dit aussi que c'est la période de Jeanne d'Arc aussi. D'accord. D'accord. Hein. Alors, vous n'avez pas connu Jeanne d'Arc, mais c'est l'époque de Jeanne d'Arc. Hein. Oui. Et vous allez aider... J'ai compris comme ça. D'accord. Et vous allez aider, je veux dire, ce roi à avoir de plus en plus d'argent par des impôts, parce que du coup, vous allez devenir banquier, hein. Je veux dire financier, banquier, commercial, je veux dire, vous avez une belle panoplie autour de vous. Même aujourd'hui, on pourrait dire, Raphaël, pour vous accomplir. Hein. D'accord hein. On va voir aussi, vous avez une belle palette de ces vies antérieures aussi pour vous accomplir aujourd'hui. On verra après. D'accord hein. D'accord. Voilà. Alors... on me montre qu'il y aura des impôts, que vous inventerez l'impôt. Hein, alors, vous n'allez pas inventer l'impôt, mais vous allez inventer... alors, disons que ceux qui voudront investir ne paieront pas d'impôts. Donc, vous allez privilégier des riches pour venir. Par la suite, de donner autrement que des impôts. D'accord ? Voilà. Et il y a c'est un quoi... peu contraire du capitalisme, un peu, quand même. Du néolibéralisme, on va dire. Exactement. Mais bon, à l'époque, il faut quand même faire payer, pas forcément les plus faibles. Il faut aussi faire payer ceux qui veulent investir et qui veulent faire du grand commerce. D'accord ? Alors, on me montre aussi qu'il y a des navires, hein, que vous gérez des navires aussi pour le commerce international. Avec l'Italie. Alors, on me montre que vous serez installé du côté du sud, de la Méditerranée. Hein, cette période-là, vous êtes déjà en Méditerranée. D'accord okay. Voilà. Oh, c'est surprenant, ça, par contre. Voilà. C'est vraiment une région que je déteste. Voilà. Eh bien, vous êtes dans la... Peut-être parce que vous avez fait trop le tour, d'accord hein. Voilà. Okay. Mais alors, vous êtes né à cette période-là, vous étiez, dans la ville de Bourges. D'accord hein. D'accord. Voilà. Bourges, ça parle un peu plus. Voilà, la ville de Bourges. Alors, votre père n'était pas notice, n'était pas né là-bas. Il s'est installé là-bas et bon, il a fait sa vie là-bas. Mais vous êtes de Bourges à la base, d'accord. Mais par d'accord. rapport au lieu stratégique avec le commerce arabe, le commerce avec l'Italie et tout ça, il fallait vous installer dans le sud. Alors, vous ne supportiez pas le mensonge. Alors, vous étiez assez... je dirais pas menteur, mais
disons que vous savez vous mettre à la peau du personnage et faire une mise en scène pour y arriver à vos fins. Voilà, mais pas forcément menteur, d'accord, on ne vous montre pas ça. Oui. Mais vous estimez que comme on ne vous donne pas le salaire qu'il faut, bon, vous vous servez. Alors, il y aura quand même de la prison, on vous ressort de la prison parce que vous, ben, vous apportez de l'argent. Ben, y a, comment dire, on veut négocier qu'avec vous, vous voyez, donc voilà. Et vous ferez de la prison, puis vous ressortirez de la prison. Vous savez que vous ne restez pas de toute façon, alors que... Certains de vos amis seront emprisonnés, ils resteront. Vous, on sait qu'on a trop besoin de vous, en fait. D'accord, hein? Voilà. Et on ne veut que négocier avec vous. Voilà. Alors, on parle quand même d'un mariage. Vous, vous épouserez quelqu'un, mais vous serez toujours extérieur, tout le temps. Vous aurez besoin d'une grande liberté, toujours. Être avec quelqu'un, mais être toujours libre de faire ce que vous devez faire. Voilà. Le mariage pour vous, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un plus, une satisfaction, un accompagnement, mais pas une restriction pour vous. Ça, c'est quelque chose. Et c'est encore aujourd'hui, quelque chose aujourd'hui que vous ne supportez pas. Ça veut dire que si vous deviez vous mettre avec quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui apprécierait votre travail, qui vous laisserait cours libre. À vous dire, je n'ai pas de comment dire, je ne dois pas me justifier par rapport à mon travail, c'est mon travail, comme un commercial, voilà. Voilà, je pars, je reviens, voilà, sans forcément me prendre la tête avec mon épouse, d'accord? Ouais, mais c'est exactement ça, ça n'a pas changé, c'est exactement comme ça que je veux la chose. Voilà, c'est... d'accord. Et bon. Bon, ça se passera très bien parce qu'elle vous laissera... gérer votre vie comme vous l'entendez, du moment elle est à l'aise, elle ne manque de rien. Donc, alors, on me montre quand même quelqu'un qui est de bonne famille, qui a déjà une fortune à elle, d'accord, qui a sa propre fortune, qui est déjà. Moyen. Alors, non, on est en train de me dire que c'est quelqu'un que vous côtoyez qui aura une bonne fortune, celle que vous marierez. Elle n'a pas de, elle est pas de fortune, mais elle a été quand même. On dit que c'est une femme de chambre, d'accord? Voilà, vous l'épousez, voilà. Mais il y aura quand même quelqu'un autour de vous. Il y aura une histoire d'amour avec quelqu'un qui aura de l'argent et qui, voilà, qui sera caché. On n'en parlera pas. Voilà, ça sera des choses discrètes. Disons que vous côtoyez des femmes qui ont beaucoup d'argent, mais discrètement. D'accord. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. D'accord, j'ai compris. Alors, vous allez épouser cette femme discrète, voilà, qui n'a pas forcément un titre, voilà. Aussi pour pouvoir faire ce que vous voulez, d'accord? Voilà. Qui gère un peu vos affaires, la maison, voilà. Quand vous venez à la maison, on me montre. D'accord? Quand vous rentrez, parce que vous ne rentrez pas souvent, on me dit. D'accord? Voilà, vous êtes plutôt dans les bras d'une autre que dans les bras de... Voilà. Alors, c'est très important, Jacques... Raphaël, en tant que Jacques, cette vie qui aussi se mélange un peu à la vôtre, ce besoin des fois de se ressentir, il me manque des choses, je comprends pas, voilà. D'accord, c'est ce côté aussi... Je veux dire, Robin des Bois, et puis sans être Robin des Bois, puisque bon, là, ce n'est pas forcément pour les pauvres que vous travaillez. Hein, mais alors, on me dit aussi que vous serez quelqu'un qui aurait la folie des grandeurs, il y aura des constructions, vous aurez un super château à vous, vous ferez aussi des constructions. Bon, alors, vous touchez à tout, on vous laisse gérer, vous avez vraiment le besoin de montrer que. Il y a un signe de richesse par rapport au roi et on me parle que ce roi ça sera très important pour vous mais un peu comme un fils de le coucouner de faire très attention parce que tant qu'il est là vous êtes là aussi, d'accord hein? D'accord. Donc m'assurer qu'ils sont encore là un petit moment pour que moi je le sois aussi. Exactement, d'accord, parce que sinon voilà. Et puis bon, il y a quand même alors, on me dit que vous ferez la construction du château de Bourges. Il y aura quelque chose qui est que vous
vous contribuerez au château de Bourges financièrement et tout ça. Et puis, il y a quand même le besoin d'aller voir. Il y a quand même des choses que vous avez laissées dans ces vies antérieures, des choses importantes. Alors, on me dit Jacques Cœur. Jacques Cœur ? Oui. Ok. D'accord ? Vous vous appelez Jacques Cœur. Voilà. Ah ben, mais c'était un cœur papillon, hein, on me dit aussi. Oui, oui. D'accord. C'était un cœur volatif. Ouais. Voilà, volatif. Alors, par rapport à votre château, on est en train de me dire le château Ex-Ens. Alors, il y a un AI. AI, mais après, ANI ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui sera à vous. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, on me montre pas votre décès. Je sais pas pourquoi. On me montre pas votre départ. D'accord. J'ai l'impression que. Alors, il y a quelque chose de très important qu'on est en train de me dire, Jacques. Vous côtoyerez des personnes. Vous serez très intéressé par tout ce qui est la physique, tout ce qui est la chimie. La transformation de l'or, la littérature, vous côtoyerez beaucoup de gens dans ce milieu exotérique, hein, sans forcément transformer la pierre en or. Voilà, vous côtoyerez des gens aussi pour faire un peu votre richesse. Vous aurez toujours de l'argent, ça ne manquera pas. D'accord, on me montre qu'il y aura toujours de l'argent dans votre vie à cette période-là. Mais tout ce qui est, vous êtes très, comment dire, très intéressé par tout ce qui est exotérique. Et puis aussi, vous savez pourquoi vous êtes basé dans la Méditerranée? Parce que vous recherchez aussi dans les pays du Maghreb, l'Italie, tout ça, des choses, tout ce qui est lié à la magie, tout ce qui est lié, tout ce qui est lié. Pas côté obscur, mais je dirais le côté le savoir. En fait, c'est très important pour vous, le savoir. D'accord, d'accord. Le savoir qu'on ne connaît pas, je dirais même. Alors, voilà, on me dit aussi. Voilà, on me dit aussi que vous avez une vie, on n'en parle pas aujourd'hui, mais une vie de croisade, de choses cachées en tant que dans les croisades. D'accord? D'accord. Voilà. Ça veut dire que j'aurais, par exemple, recherché des reliques ou des choses comme ça. Exactement. Les voilà, les croisades. D'accord. Et tout ça. Et disons que dans une vie antérieure à bien avant, d'accord, on ne veut pas signifier cette vie aujourd'hui parce que vous avez des vies très riches. D'accord. Il y a une vie de croisade où il y avait beaucoup de l'or, où on a caché beaucoup d'or, des choses comme ça. D'accord, ça m'étonne. Ouais. Alors, quand vous étiez enfant, on me dit que vous étiez très intéressé par tout ce qui était les trésors cachés, à un moment donné où on pouvait retrouver des trésors. Ça va bien de votre vie, de vos vies antérieures au niveau des croisades où on a caché des choses, voilà, où il y a été enterré des choses. D'accord, hein? Voilà. Hein, on en d'accord. parle. Voilà. Voilà. Votre vie, elle a été très. Comment dire, riche en exploration, en conquête et tout ça. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va au principal. Alors, vous étiez conseiller du roi, hein, je parle en tant que Jacques, conseiller du roi, et pourvoyeur de monnaie, on me dit. D'accord? Voilà. D'accord. Alors. Mes guides, ils sont un petit peu farceurs, non? Pourquoi vous dites ça? Parce que je vous vois beaucoup rigoler en fait. Mais parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous dites comment faire de l'argent. Si vous aviez, je veux dire, l'alchimie, savoir comment on fait de l'argent, transforme l'argent en or. Ou, hein, voilà. Vous avez touché à ça, on me dit, à cette période-là. Hein, disons que vous avez eu, vous saviez comment faire. On me montre que vous saviez comment faire à cette période-là. D'accord. D'accord. Je ne suis franchement pas surpris en fait. On vous avait de ce que donné. Vous me dites, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que même ma vie actuelle est encore empreinte de celle-ci, en tout cas, en fait. Voilà, elle n'est pas terminée, votre vie. Il y a encore des choses que vous allez découvrir, d'accord, par rapport aux événements terrestres. Donc, il y a des choses qui vont surmerger. Mais on me dit, voilà, que cette vie est très importante. Vous étiez conseiller du roi, donc voilà, il y a plein de choses.
D'accord? D'accord. Voilà. Allez, on va continuer dans la deuxième partie de votre vie. Alors, on pourrait passer du temps sur cette première vie, déjà à parler beaucoup. Il faudrait même 4 heures pour en parler. D'accord, si on allait chercher. Mais c'est pour mieux comprendre aussi pourquoi. D'accord? Alors, cette deuxième période de vie, on me montre le 18e siècle. Hein? Et on parle encore de la France. Mais pas que de la France, on va voir aussi. Alors, vous êtes encore un garçon. C'est très important pour vous, le côté masculin. Voilà. Le côté masculin est très important dans vos vies. Il y a eu beaucoup de vies masculines. D'accord, chez vous, plus que féminine. Vous ne vous sentiez pas à l'aise dans des vies féminines, donc vous avez toujours choisi des vies masculines pour vous réaliser. C'était surtout ça, la réalisation. D'accord. Voilà. Alors, on me montre que vous êtes né à Lyon, voilà, la région de Lyon. D'accord. Voilà. Alors, là, il y a une éducation, d'accord ? On parle d'une belle éducation, les parents qui ont les moyens, on parle quand même parents moyens. Vous faites une partie de vos études à Lyon et vous partez sur Paris. On me montre que vous partez sur Paris. Voilà. Pour vous, Paris, c'est une certaine réalisation, d'accord ? Voilà. Et toujours, ouais. C'est toujours, d'accord, une certaine réalisation. On me montre aussi, à cette période-là, je n'ai même plus votre prénom, du coup, Raphaël, il faut que je demande au guide. Donc, voilà, on me dit, Raphaël, qu'à cette période-là, votre père vous envoie à Paris, et puis par votre volonté, parce que j'ai l'impression que vous voulez devenir comme un prêtre, comme quelqu'un qui évangélise, hein, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. Le besoin, par rapport à votre mère, le besoin de donner aux autres, d'apporter aux autres et tout ça. Mais en fait, vous allez étudier pendant 2 ans et puis vous allez complètement changer. Hein. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout... alors, c'est pas que c'est pas votre truc, hein. C'est qu'au début, c'est une réalisation, d'accord ? Une réalisation, d'accord. Et on me montre une conquête aussi, toujours. On commence par petit, puis on verra après par la suite. Et que vous allez pendant 2 ans étudier et tout ça. Alors, c'est quand même cette foi qui est très importante en vous. Bon, c'est d'une période aussi où il y a énormément de foi. On demande, on se connecte à quelque chose. Oui. Mais en fait, la foi pour vous, c'est un besoin spirituel d'aller chercher d'autres connaissances. C'est surtout ça. Encore le côté exotérique qui ressort en vous. D'accord ? Le côté... alors ça, c'est très très fort même aujourd'hui. D'accord ? Et ça sera encore très très fort dans les vies peut-être futures. Voilà. Je pense aussi. Voilà. D'accord. Vous vous appelez Pierre ? C'est marrant. C'est marrant. Mais que des prénoms d'évangile en fait. Voilà. Vous vous appelez Pierre. Vous êtes quelqu'un qui allait... on me montre que vous allez à un moment donné de votre vie être mené... on va venir à votre famille parce que c'est important. Les racines, c'est toujours important pour vous, on me dit. D'accord ? De savoir d'où je viens, qui je suis, tout ça. D'accord ? Oui. Alors, toujours. Alors, votre maman s'appelle Marie encore, hein, comme l'autre vie, c'est drôle. Et votre père... votre père s'appelle Hilaire, voilà, quelque chose comme ça. Hilaire, voilà, je connaissais pas son prénom, voilà. Petite parenthèse, ma mère s'appelle Marie-Dominique. D'accord. Alors, voilà ma mère en actuel. D'accord, alors vous allez un petit peu sourire, d'accord ? Allez-y, je vous en prie. Bon, elle s'appelle Marie. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est que... D'accord. Il faut que je note. Attendez. Je vous en prie, allez-y. Alors. Je note parce qu'on me montre de noter, donc je note. Voilà. Attendez. Je vais juste récupérer ma cigarette électronique, j'arrive dessus. D'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci.
que j'ai perdu l'image. Excusez-moi. Ah, la cigarette. Alors, vous vous appelez Pierre et votre père est encore commerçant cette période-là. D'accord. Par contre, ce qu'on me montre, c'est tout ce qui est tissu, tout ce qui est la soie, tout ce qui est, tout ce qui est lié au tissu, en fait, ce qu'on me montre. D'accord. Voilà. D'accord. Hein? Disons que votre c'est important pour vous d'être dans ce milieu de commerce. Je ne sais pas si vous êtes venu dans un milieu commercial, mais bon, oui. D'accord. Alors, c'est important de revenir quand même dans une classe ni trop pauvre, ni trop riche, mais j'ai l'impression aussi que vous avez besoin aussi pour vous montrer à vous-même que vous pouvez arriver à vos fins. Vous voyez, Raphaël, le besoin de dire, voilà, je préfère venir dans une famille modeste et puis y arriver par moi-même que de venir dans une famille riche et puis avoir tout et ne plus me réaliser dans ce que je suis. Voilà, si je suis trop pauvre, je n'ai pas les moyens, ça va être compliqué, mais si je suis au moins dans une famille modeste qui arrive, je pourrais monter les échelons. D'accord. J'ai des cartes en main pour pouvoir évoluer, exactement. Voilà, pouvoir évoluer, avoir les cartes en main, exactement. Alors, votre père, on me montre que c'est quelqu'un qui négocie tout ce qui est dans la soie, voilà, il est dans tout ce travail. Alors, on me montre que vous aurez un frère, là, c'est important, que vous avez un frère, vous êtes l'aîné de la famille et vous avez un frère, voilà. Et qui est mon cadet de Peut-être 3 ans, voilà, quelqu'un peut-être qui a 3 ans de plus que de moins que vous, d'accord? Voilà. D'accord. Est-ce qu'à tout hasard, mon frère actuel, je le connaissais déjà peut-être? Oui, on me montre que c'est important, oui, que c'est votre frère, d'accord? C'était important. Il y avait quand même, vous et votre frère, vous étiez très très proches à cette période-là. Et disons que vous avez d'autres projets dans le futur, d'autres ambitions. C'est votre frère qui prendra le commerce de votre père, d'accord? Voilà. D'accord. Hein, de votre père par rapport à son décès, on va voir un petit peu pourquoi on me dit ça, mais c'est lui. Et du coup, pour votre père, c'est une satisfaction et pour vous aussi, parce que vous pouvez vous réaliser. À la base, c'était pour vous tout ça, d'accord? Voilà, okay. Et c'était à vous d'aider votre frère dans des études et tout, mais vous envisagez vraiment autre chose que forcément être comme votre père. Disons que votre père est un moyen de propulsion, comme il a été avant pour vous faire avancer, à évoluer, d'accord? Vous ne voulez pas travailler dans ce que votre père fait, et puis il y a quand même des prises de contact, vous êtes quand même quelqu'un qui a... Un caractère assez fort. Alors, il y a un côté sensible en vous, une grande sensibilité, quelqu'un qui n'est pas du tout rancunier, quelqu'un qui a... Mais, voilà, un conflit avec votre père, parce que si le travail, c'est pour vous, c'est pour que vous grandissiez, et puis vous ne voyez pas travailler toute votre vie comme votre père, dans tout ce qui est dans les tissus, commerce, comme lui, il fait, non, c'est pas du tout votre volonté. Alors, on me montre encore un enfant qui est aussi prise de tête avec son père, en sachant que votre frère, votre frère va prendre ça et pour vous, c'est un soulagement, même vis-à-vis de votre mère. D'accord? Votre mère, très protectrice par rapport à vous, elle vous pardonne tout, il faut le laisser, elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup votre défense. D'accord? Le besoin, voilà. Alors, encore à cette période, vous voyez au moment de quelqu'un, vous êtes missionnaire encore, hein, le besoin encore, le côté missionnaire, le besoin de, je veux dire, vous voulez faire des missions, prêcher la parole, et vous allez partir, on me montre du côté de la Chine, prêcher, voilà, et on va vous donner les moyens d'aller prêcher, hein, c'est une forte conviction en vous d'aller prêcher.
Mais derrière ça, vous savez qu'il y a quelque chose encore de pour vous, vous devez vous réaliser. Et au moment que vous allez prêcher, vous allez être enfermé. D'accord, on va vous alors là, il y a quand même une éducation. Vous allez à l'école, vous savez que pour réussir, eh bien, il faut avoir les moyens aussi par rapport à l'autre vie. Donc, savoir écrire, lire et tout ça. Et puis, vous allez partir en Chine, prêcher. Vous serez arrêté, emprisonné, pas pour très longtemps parce que vous êtes très, très sympathique encore. Vous savez jouer encore de votre séduction. Et puis, vous allez être, on me montre que là, la royauté va vous prendre un peu en charge et vous allez dire que vous veniez aussi un peu pour visiter, aussi faire connaître aussi ce beau pays à l'Europe, hein, à cette période-là, à la France, qui ne connaît pas forcément cette culture. Et du coup, on va vous laisser vous promener, puis vous allez être, sous la protection du roi qui est sur place. Voilà. Et puis, vous allez explorer tout ça. Puis là, vous allez vous rendre compte des épices. Vous allez vous intéresser par tout ce qui est des épices, tout ce qui est lié les parfums. Vous allez vous intéresser à tout ce qui est l'agriculture, le riz, toutes ces choses-là, en fait. Tous ces trucs que forcément, on n'a pas en France. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a des Anglais, il y a quand même des Irlandais qui s'intéressent à certaines épices. Et puis, vous allez revenir en France avec des graines pour faire pousser même des petits arbustes dans un bateau pour essayer de faire pousser ici des choses. Et on me montre que ça ne marchera pas. Bon, la personne qui va essayer de faire pousser, elle brûlera vos pieds et ça vous mettra très en colère parce qu'il faudra repartir. Alors, c'est drôle, on me montre le côté botanique chez vous, tout ce qui est botanique, les plantes, pour soigner. Encore aujourd'hui ? C'est moi, quoi. Mais aujourd'hui, encore à fond, quoi. À fond ? J'adore les plantes et en plus, elles me rendent vraiment très bien, quoi. D'accord. Donc, à peu près vraiment toutes les plantes. Hein. D'accord. Ma mère a des hortensias, c'est moi qui lui ai repiqué il y a 2 étés de ça, il fallait voir comment ils sont repartis. Alors vous avez la main verte, au moment que vous avez la main verte, oui, c'est vrai. Alors vous appelez Pierre, Pierre, et que vous vous intéressez à tout ce qui est la botanique, l'agriculture. Alors vous aimez la philosophie, à Paris on me dit que vous allez vous entourer beaucoup d'amis philosophes, écrivains, littéraires. Il y a ce côté penseur où on pense, vous voyez, et tout va partir de là. À chaque fois vos départs vont partir de l'envie d'aller toujours explorer, rechercher. Vous êtes un grand passionné, d'accord ? Un grand passionné. Ouais, et un grand enfant aussi en même temps, d'accord ? D'accord ? Un homme qui ne veut pas forcément grandir, devenir, avoir des responsabilités, tout ça, mais le besoin de garder ce cœur d'enfant en vous pour pouvoir faire des choses. L'aventure pour vous, c'est toujours magnifique. Vous voyez, l'aventure, alors c'est programmé l'aventure, bien sûr, vous n'allez pas dire je prends le sac et puis je m'en vais comme ça. Non, il y a un but. Chez vous, il faut un but. Et quand il y a ce but, vous arrivez toujours à vos fins, vous arrivez toujours à avoir ce que vous voulez, d'accord ? Tout ce que vous touchez, Raphaël, vous pouvez en faire de l'or. D'accord ? C'est une question de confiance. De confiance en vous. Mais vous pouvez vous réaliser dans plein de choses. Parce que quand vous vous passionnez, vous vous donnez à fond dans cette passion. D'accord ? Voilà. Comme la musique, on me dit. Comme vous disiez tout à l'heure, vous aimiez la musique. Mais il faut aller plus loin. D'accord ? Il faut savoir que dans vos vies antérieures, vous aimiez la musique et tout ça, mais vous n'aviez jamais pu explorer ce milieu. Okay. Et qu'aujourd'hui, on vous donne cette chance aujourd'hui d'aller explorer plus loin au niveau de la musique. D'accord ? Il faut que vous la saisissez. D'accord ? Il faut que vous saisissez aussi
D'accord. Alors, on me montre quand même des vies fortes. Alors, on me montre comment dire, vous allez vous marier, d'accord. On me montre un mariage avec quelqu'un de bien. Vous aurez trois enfants, trois filles. Trois filles. on est en train de sauter les étapes. C'est marrant, tu sais, d'avoir des filles. C'est votre réalité. Ben, vous aurez trois filles, mais c'est votre femme qui élèvera ses enfants. Je veux dire, alors, vous n'aurez pas forcément une vie très très longue. Alors, votre père et votre mère ont un grand décalage d'âge, d'accord ? Votre mère avait 19 ans, 20 ans quand elle s'est mariée avec votre père, hein, d'accord ? Avec votre papa, il y a peut-être presque 30 ans d'écart, hein, d'accord ? C'est une jeune fille et tout ça. Disons que votre père l'a pris sous elle, mais elle aimait votre père, hein, d'accord. Ça a été un petit peu un mariage arrangé, et puis qui arrangeait bien votre père, mais bon, je veux dire, elle a eu ses enfants et elle s'est beaucoup accrochée à ses enfants, d'accord, hein. Voilà. D'accord. Il y a une Sarah, et vous avez une fille qui s'appelait Sarah à l'époque. D'accord. D'accord, hein, voilà, une Sarah. D'accord. Vous aurez trois filles. Votre fille est née décédera à l'âge de 19 ans. C'est drôle, hein. La première. Ouais. D'accord, elle décédera. Et alors, vous allez vous marier avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui a de la fortune, voilà, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est quand même dans un milieu bourgeois. Vous allez vous marier avec quelqu'un de bourgeois. Mais ce que j'ai en train ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que vous allez beaucoup voyager. Je veux dire, avant le mariage, vous aurez beaucoup de... Voilà, on part, on revient, on ramène des épices. C'est très important, tout ce qui est replantation de plantes. Et on parle de... Comment ça s'appelle ? Le muscat, en fait. Parce que vous vous rendez compte que finalement, les Anglais sont très intéressés par tout ce qui est... Alors, je parle anglophone. Hein, tout ce qui est le muscat... comment on appelle ça ? Non, les épices qu'on met quand on a mal aux dents. On met... Klitschroff. Ah, voilà, d'accord. Ces épices-là qu'on veut cacher, ne pas, voilà. Et on me montre qu'il y aura quand même d'autres plantes que vous ramènerez en Europe pour les faire planter. Mais j'ai l'impression que le climat n'est pas adapté. On me montre que vous vivrez sur une île. Alors, je ne sais pas si c'est l'île Maurice ou... l'île Maurice ou... voilà. Ou La Réunion, voilà. La Réunion, et on me dit que ça vient de votre mère d'aujourd'hui, ce côté... votre maman était mauricienne ou l'île de La Réunion Ma mère est réunionnaise, oui. D'accord. Vous voyez, on me montre ces îles, je ne sais pas, de l'océan Indien. Voilà, d'accord. Et là, on me montre un jardin botanique que vous allez réaliser, vous allez prendre votre épouse et vous allez partir. Alors, ça va mettre un an à peu près, j'ai l'impression que ça va mettre 6 mois, 7 mois, 8 mois pour arriver jusqu'à cette île en bateau. Oui, c'est le bout du monde. Hein, et on me montre votre épouse est enceinte et ce voyage aura été très très long pour elle. Voilà, et vous allez vous installer là-bas et faire votre plantation botanique au niveau des plantes, toutes les plantes et tout ça. Et il y aura des pamplemousses, des choses comme ça en fait. D'accord, hein. Voilà. D'accord. Des pamplemousses. Jacques Poivre, vous vous appelez, on me dit. D'accord. C'est drôle, l'épice poivre, la poivre. Ouais, ben. Voilà. Donc Jacques, pourtant, c'était dans ma première vie, c'était mon prénom de ma première vie. Pierre Poivre, pardon. Pierre Poivre. Pierre Poivre. Voilà. Pierre Poivre. Voilà. Pierre Poivre. Vous vous appelez Pierre Poivre. À toi, Hazard. Oui. À tout hasard, dans ces villas, dans cette villa où finalement j'ai baigné plutôt dans la botanique, oui. Est-ce que j'aurais ramené par exemple des graines par exemple, de chanvre? C'est possible. Oui. Je le savais. Comment dire, dans votre histoire, il n'y a pas tout, d'accord, voilà. Oui, il y a des choses. J'allais le dire, je l'aurais dit après, d'accord, mais il n'y a pas que du chanvre.
Oui, je me doute bien. D'accord. Vous avez essayé d'autres choses comme ce qui est lié à l'opium et tout ça, mais Ah bon, oui, d'accord. d'accord. Voilà. Mais aussi, c'est le côté médical aussi qui vous intéresse, d'accord? Aussi, il y a le côté médical qui soigne. Voilà, vous êtes quand même quelqu'un Oui. il y a le côté alors, je dirais pas que vous étiez médecin à cette période-là, mais le besoin de. Vous vous Ah, entourez de bon. personnes importantes pour pouvoir soigner, c'est important, vous voyez. Voilà. Oui. Vous savez qu'il y a quand même une richesse, je veux dire une richesse alimentaire, mais aussi une richesse médicamenteuse à cette période-là. Oui. D'accord? En tant que Que pierre, Pierre Paul. voilà. Hein, que pierre poivre, voilà. Alors, il faut savoir aussi que vous allez quand même avoir des honneurs en France par rapport à, je veux dire, vous aurez des honneurs au moment que vous serez professeur aussi, le besoin, vous serez à l'académie, le besoin d'enseigner. Vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes complètement réalisé dans cette vie, dans ce que vous vouliez, alors que vous vouliez être évangéliste, d'accord? Mais dans le côté évangéliste, c'était aussi un explorateur, hein, on va l'inconnu. Mais on vous donnera aussi, vous ferez partie des colonies, où il y aura beaucoup de voyages en bateau. On parle de l'île Maurice, vous irez dans tout ce qui est, je veux dire, les îles, c'est très intéressant pour vous, hein, d'accord? Il y aura aussi le besoin de partager avec les Portugais, les Arabes, certaines connaissances. Même les arabes. Oui, il y aura beaucoup de discrétion. Dans tout, vous noterez tout, vous serez le besoin de toujours tout noter, de tout garder, de chercher. Vous êtes vraiment un chercheur. Voilà. Le besoin aussi d'aller vers la connaissance, toujours la connaissance qui revient chez vous. D'accord? Voilà. Vous irez à Macao aussi. Il y aura beaucoup de Portugais à Macao. D'accord? Oui. Les ports aussi sont très importants, les ports commerciaux pour vous aussi. D'accord? D'accord. Voilà. Vous serez diplomate aussi. Vous serez aussi amené à être diplomate. D'accord. D'accord? Suis pas surpris. Botanique, agriculteur, voilà. En fait, c'est vous qui allez mettre les choses en place parce que quand vous demandez à d'autres personnes de faire pousser, de mettre les choses, on me montre qu'ils vous sabotent votre travail. D'accord? Alors, on me montre que vos enfants vont vivre sur une île, hein, sur cette île Maurice, et que vos filles vont naître dans ce milieu-là. Alors, vous allez décéder quand même pas trop vieux, on m'en montre peut-être 47 ans, 50, voilà. Votre femme, comment dire, elle aura perdu, elle vous perdra, elle perdra aussi sa fille. Alors, je parle d'un Pas an ou 19 deux ans. ans, c'est l'aînée, votre fille aînée. Disons que votre fille aînée va vous se retrouver de l'autre côté avec vous. Et disons que on me dit que votre fille aînée est une amie aujourd'hui de cœur que vous avez aujourd'hui. Et vous, Non, c'est pas possible, c'est qui? et c'est quelqu'un qui a une histoire Maman. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui. J'étais sûr. Pourquoi D'accord? c'est partie des questions que je voulais vous poser? Est-ce que maman s'est connue dans une autre Oui. vie? D'accord. C'était D'accord? ma fille. Voilà, que vous aimiez énormément, elle s'intéressait à tout ce que vous faisiez, c'était celle qui vraiment s'intéressait à tout ce que vous faisiez et tout ça. Elle avait tellement une pureté en elle et tout que, voilà, elle a dû, voilà, pour une autre mission après, partir. D'accord? Alors, elle s'appelait Marie aussi, hein? Elle s'appelait Marie à cette période-là aussi. D'accord. D'accord? Il y avait Marie, Françoise et Sarah. Marie, Françoise et Sarah, Alors, d'accord. Françoise, elle est décédée très très vieille, on me dit. D'accord? D'accord. Elle est venue plus pour la maman. Ben oui. D'accord. Mais Réconforter la Marie, elle est maman venue. de laquelle je... Marie, elle est venue avec vous. Elle est venue pour vous, avec vous. Et vous étiez très D'accord. attachée à Marie. À Marie. D'accord? Alors, il y a. Comment dire. Cet enfant, il vous a. Je veux dire. Vous voyez, votre relation, vos départs sont liés de toute façon. Il fallait partir. Alors, votre femme, elle perd sa fille, elle vous perd aussi son père.
ça a été catastrophique pour elle à cette période-là. Hein, au moment qu'elle revient sur Paris, elle revient vivre sur Paris après ce décès, et elle se remariera avec quelqu'un d'autre, je veux dire, elle épousera quelqu'un d'autre, elle se mariera avec quelqu'un d'autre. Alors c'est quelqu'un de très charmante, elle sera beaucoup courtisée et tout ça, bon, vous aurez un œil sur elle, mais bon... Vous ne pouvez pas tout contrôler. Qu'elle passe sa vie après. Voilà. Vous ne pourrez pas contrôler même de l'autre côté sa vie. Vous la laisserez vivre ce qu'elle devra. Alors, vous ferez quand même partie de l'Académie des sciences parce que vous êtes quelqu'un qui étudiera les plantes. Alors, votre femme, elle vous aime beaucoup. Elle rentrera à Paris. Elle demandera qu'on écrive votre histoire. Elle demandera à un de vos amis d'écrire votre histoire. Elle racontera votre histoire et elle demandera à quelqu'un d'écrire votre histoire parce que pour elle, c'est très important d'avoir un compte rendu de l'homme que vous étiez et tout ça, d'un bon père et un bon mari. D'accord ? Elle aura ma mémoire, quoi, en fait. Voilà, elle perdra sa maison vers Lyon, elle mettra de l'argent pour ses filles. Alors, au moment que vos filles auront les moyens, je veux dire, elles seront bien mariées, et ça sera très important pour elle, mais elle se mariera avec quelqu'un qui sera poète ou écrivain, et aura de bonnes familles aussi, elle ne manquera aussi de rien. Et en fait, elle protège aussi ses enfants, en fait. C'est une façon aussi de protéger ses enfants. D'accord. Et cette femme-là, du coup, je l'ai peut-être côtoyée dans cette vie actuelle. Non, vous ne l'avez pas côtoyée dans cette vie actuelle. Et elle n'est pas du tout... Alors, c'est quelqu'un qui partira vivre aux États-Unis et qui restera, elle fera des vies aux États-Unis, y aller aux États-Unis. Actuellement. Elle est où ? Washington, elle a fait Vegas, quelqu'un qui voyage beaucoup par rapport à son travail, d'accord ? Voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, elle est dans les affaires, voilà. D'accord. Voilà. Okay. Mais vous n'aurez pas la chance de la côtoyer aujourd'hui, puisqu'elle a demandé autre chose, une autre mission. Mais elle vivra aux États-Unis, elle partira avec son mari vivre aux États-Unis. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être la peste ou quelque chose, une maladie qui mènera qu'elle sera obligée de partir. Elle partira, elle fuira là. À cette période-là. Okay. Vous voyez, on parle de la peste, d'une maladie, quelque chose. Oui, ça se peut. Parce que je crois que c'était dans la période, la peste noire, c'était pas 18e, 19e siècle. Peut-être, oui, je pense. Voilà. Oui, on me dit que oui. Et qu'elle partira vivre aux États-Unis. Elle vivra. Et c'est quelqu'un qui vivra assez âgé. D'accord. Voilà. Alors, elle aura quand même une connaissance par rapport à vous, au niveau des plantes et au niveau de certaines choses que vous lui avez aussi apportées. D'accord ? Voilà. Ok. Voilà. Elle se plaira sur les îles. C'est quelqu'un qui se plaira sur les îles. Et vous serez très, très heureux. C'est une vie joyeuse et heureuse. D'accord ? Ben oui, voilà. C'est sûr. Joyeuse et heureuse, et vous allez plus vous réaliser. Alors, on me montre le port Saint-Louis, il y aura beaucoup d'endroits que vous... Alors, vous aimez quand même un climat chaud, mais aussi côté venteux, un petit peu d'air frais. Voilà, vous n'aimez pas la grosse chaleur, c'est pas pour vous. Voilà, le côté Méditerranée, c'est pas non plus pour vous, les grosses chaleurs. Vous voyez, on montre qu'on fait les affaires quand il faut, au moment, mais le matin très tôt et pas forcément dans l'après-midi. Ouais. On préfère ça être... Ça me surprend vraiment pas. Voilà, on s'est arrêtés, ils se sont arrêtés. Donc, vous avez dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur cette vie, en fait. Ils disent, c'est bon. Après, on peut toujours aller plus loin, mais ça ne sert forcément pas à quelque chose, d'accord ? Oui, c'est ce que je pense aussi. L'important, je pense que ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qui devait nous servir. Donc, Et le plus important aussi, Raphaël, c'est d'aller chercher, de comprendre, se comprendre mieux aussi et de voir qu'on a des vies similaires de ça. Aujourd'hui, on est en train de me dire, Raphaël, qu'il faut que la musique soit quelque chose qui vous épanouisse, qui vous aide, qui vous... alors, après, il y a côté musique, mais il y a un côté commercial aussi encore qui est encore avec vous. Ce côté...
je veux dire, de grandir, d'apprendre, d'aller plus loin. Il y a le côté plante aussi qui est là. Alors, vous vous mélangez un peu dans vos pinceaux parce que vous avez une panelle quand même assez large. Large. Large, mais, ouais. Mais après tout ça, il faut en faire ben, une belle toile, comme on dit. C'est tout. D'accord. Okay. Voilà, une belle toile. Réalisez votre toile à vous aujourd'hui dans cette vie. D'accord. D'accord. Vous avez des questions, Raphaël? J'en avais une. Ça va me revenir. Ça va me revenir. D'accord. C'est que depuis tout à l'heure, j'en ai quelques-unes qui passent et je préfère vous laisser. Alors, non, ce qui est bien, c'est d'en parler quand il faut en parler parce qu'après, c'est vrai que. Est-ce que je peux répondre ou pas répondre? D'accord. Voilà. Ok. Voilà. L'île Maurice était très important pour vos plantes. C'est un peu comme vos bébés, hein, on me montre ça. C'était vos enfants, en fait. D'accord, hein. Voilà. C'est ça. C'est vos enfants. On fait écouter de la musique. Voilà, on chante. Ouais. Vous avez ce côté. Alors, vous êtes quand même, à l'époque, vous défendiez vos idées avec, vous voyez, et puis il fallait revenir chercher de l'argent pour pouvoir aller, qu'on vous donne les moyens avec des navires d'aller ramener, vous voyez, on montre le besoin de négocier, mais ça, c'était pas difficile, vous arriviez toujours à avoir ce que vous voulez, et puis on vous donnait les moyens. Un pays s'enrichissait quand il allait découvrir d'autres choses, hein, et puis tous les pays, c'était comme ça à cette période-là. Voilà. Voilà. Vous étiez un grand défendeur, je veux dire, de la nature. Et ça, c'est encore important pour vous. Voilà, oui. Défendre la nature. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ce que je vous invite quand même, Raphaël, c'est d'aller explorer un petit peu, d'aller faire des recherches, d'aller approfondir et puis de voir, waouh, ça m'inspire, ça, ces trucs, ça me... Voilà, peut-être aujourd'hui de faire le vide et puis peut-être demain ou dans la semaine d'aller dire tiens, je vais voir un petit peu maybe. Alors, il y a quand même beaucoup de vie, hein, il faut savoir, Raphaël, vous avez énormément de vie, très intéressante, très très intéressante. Okay. Parce qu'on pourrait aller remonter un peu plus loin dans le passé encore, très intéressante, où il y a vraiment le... des fois on me dit oui, pourquoi les êtres ils ont été ci, ça, tout le monde ne peut pas être artiste ou tout le monde, je suis désolée, on va vous donner les vies importantes pour comprendre aujourd'hui ce que vous êtes, hein. C'est toute cette réalisation, quelqu'un qui n'a pas pu étudier même aujourd'hui, qui se retrouve dans des pays, je veux dire dans l'esclavage encore aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un 21e siècle ou dans des guerres et tout ça, c'est qu'il y a des choses à comprendre aussi de leur vie antérieure aussi. C'est important aussi. Pourquoi je vis des situations compliquées, difficiles, où je n'arrive pas à me réaliser, parce qu'il y a eu des conflits aussi dans d'autres vies. D'accord, hein. D'accord. Voilà. Bah, c'est un peu ce qui m'a amené vers vous, en fait, quelque part. D'accord. Parce que c'est vrai que là, du coup, il y a eu... quelques événements qui ont été compliqués, on va dire. Voilà. Alors, et là, la prison, c'était pas quelque chose de forcément uniquement relatif à ses vies antérieures. Exactement. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un petit séjour encore dans cette vie-là. Ah oui, mais vous en aviez déjà fait de l'autre côté, d'accord? Injuste, pas forcément, je veux dire, un mal, c'était, vous n'aviez tué personne, vous n'aviez... Voilà, vous n'aviez pas fait des choses, je veux dire, c'est de la petite délinquance, je veux dire, c'est rien encore, c'est pas... Ouais, mais c'est pas des choses, c'est pas des choses où on enlève à l'autre, c'est des choses, voilà... Ça n'a rien à voir, mais à l'époque, n'importe quoi, c'était tout de suite la prison, de toute façon, d'accord? Oui. On ne payait pas ses impôts, on allait en prison, on volait un lièvre, on allait en prison, je veux dire, pour manger. Au Moyen-Âge, vous chassiez là où le maître avait le droit de chasse, vous tuiez un lapin, c'était la prison, c'était même la condamnation et la mort. D'accord. Donc, voilà. Alors, on me dit aussi, cette période-là, que vous aviez perdu votre main, un accident, la main droite, je crois. Est-ce que vous avez des soucis avec votre main droite
Non. J'ai eu un souci avec ma main gauche. Ou la main gauche, il y a une main, hein. Je ne sais pas si c'est la main droite ou la main gauche. On est en train de me dire que vous aviez eu un souci, vous aviez perdu une main en fait. D'accord? Ben là, j'avais fait un flegmon pulpaire D'accord. qui s'était infecté et j'aurais même peut-être Voilà. même pu perdre le bras, en fait. Voilà. Donc, cette période-là, vous aviez perdu. Alors, je ne sais pas si c'est la main droite ou la main gauche. Voilà. Et je ne sais pas si c'est cette vie ou l'autre vie avant, il y a une perte d'une main. Et c'est pour ça que ces sensations peuvent revenir aujourd'hui. D'accord? D'accord. Hein, ce qui est tout à fait naturel. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous enlever votre main. D'accord, Oui, Raphaël? oui, Alors, je ne sais pas si c'est la première vie, puisque je ne suis plus avec lui, c'est mon propre guide qui me donne l'information. Est-ce que c'est cette vie-là? Mais il y a une perte d'une main ou d'un bras, voilà. Mais on parle plus d'une main, d'accord? D'accord, Voilà. ouais. Hein, c'est pour Ça ça doit que des être... fois, des choses reviennent et puis on ne comprend pas. Voilà. Il y a toujours une raison. Ah ben, Et justement, oui, recherchez, lequel? voilà, faites une recherche, savoir par rapport à, voilà, quelle est la vie que vous avez pour mieux comprendre. D'accord. Et justement, par rapport à mes guides, je voulais vous demander, vous... Enfin, il s'appelle comment? Votre guide, d'accord? Oui. Alors, dans les vies antérieures, ce ne sont Voilà, pas nos plutôt. guides, ce sont des guides qui ont accès à à notre livre akashique, à nos livres de nos vies antérieures, d'accord? Ce sont encore d'autres D'accord. guides. Alors, votre guide, c'est un homme. Alors, il y en a deux, hein, chez vous. Vous avez deux. Alors, vous avez une grande protection d'une femme qui n'était pas forcément votre guide, mais qui est derrière vous. C'est une femme qui avait toujours des jupons, des jupes, très colorées, d'accord? Elle avait un bandeau sur ses cheveux, elle était toujours avec un bandeau sur les cheveux. Et on parle, c'est des origines ancestrales du côté de votre mère ou votre père? De votre Mon maman, père. oui, c'est quelqu'un qui a. Ça fait comme des carreaux, on me montre, vous savez? Les couleurs carreaux, voilà. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une protection sur vous, d'une femme qui est encore de l'autre côté. Et pour moi, c'est Peut-être une ma grand-mère. grand-mère ou quelque chose comme ça. Voilà. Et Voilà, bah c'est vous ça. avez et c'est un homme. D'accord, j'ai compris. Dominique. L'homme? Oui, il s'appelle Dominique, votre guide. Ok. D'accord? C'est marrant. Alors, à la base, il s'appelait Dominique Jacques. Il avait deux D'accord. prénoms, Dominique Jacques. Hein? Mais vous pouvez l'appeler Domi. D'accord? Parce que vous donnez des surnoms à tout le monde. Dominique. Merci à D'accord? toi. D'accord? Voilà. D'accord. Vous pouvez l'appeler Domi. Je demande à mon guide spirituel, C'est Dominique, entendu Domi. de D'accord? Voilà. vous. Voilà. Voilà Raphaël. Alors, Ok. moi je donne toujours les grandes lignes de votre vie. Après, c'est à vous d'aller chercher, explorer. Voilà. D'aller. Voilà. D'accord.